I can't remember when, sometime in the 1970s, maybe about 74, I think, maybe somewhere around there, I realized that I was just using the pick, you know, less and less. And I could do more things with my fingers. So even like something heavy, you know, like you're really going heavy with a pick, you know, you'd be doing this thing, like, I don't know, it's okay, but like with your fingers you can even do it, but. Salut! Aujourd'hui, on va commencer une collection de vidéos où on va découvrir ou redécouvrir un groupe ou un artiste sous le prisme de quelques-uns de leurs plans les plus connus ou du moins les plus représentatifs. Quoi de mieux pour essuyer les pots cassés de ce nouveau concept que de commencer en douceur avec Dire Straits et son mythique guitariste Mark Knopfler? Dans mes cordes spéciales Dire Straits, c'est parti! Seulement 6 albums pour la légende. Il avait fallu à Jimi Hendrix seulement 3 albums pour rentrer dans l'histoire. La même chose pour Nirvana. Comme quoi, c'est pas la taille de la discographie qui compte. Dire Straits a donc sorti 6 albums et en a vendu plus de 110 millions, soit un peu plus que les Kids United et René Latope réunis. Comment en arrive-t-on à un tel succès quand on a un groupe au nom imprononçable? La réponse tient en un mot, le talent. Né en août 1949 à Glasgow, en Écosse, d'une mère anglaise et d'un père hongrois, le petit Mark Knopfler s'immerge dans un monde musical fait d'harmonica, de piano, de boogie-woogie et de guitare. Il embête très vite son père pour qu'il puisse lui offrir une Fender Stratocaster Fiesta rouge, comme celle de son idole Hank Marvin. Mais la famille étant plus pauvre qu'écossaise, Mark doit se satisfaire d'une Hofner super solide Twin Pickup. Durant les années 60, comme beaucoup d'ados et d'amateurs de paradis artificiels, il écoute du blues, beaucoup de blues, et les prémices du rock atteignent ses grandes oreilles. Elvis Presley évidemment, mais aussi le guitariste de country Chet Atkins, B.B. King, Hank Marvin et aussi Django Reinhardt. À la fin des années 60, Mark étudie le journalisme, puis part travailler à Leeds comme reporter junior dans un journal local. Plus tard, il donne des cours à l'Upton College dans l'Essex. Et après avoir joué dans plusieurs groupes au nom hasardeux, comme les Brewers Group, The Doose Brothers ou encore The Cafe Racers, il rejoint son frère à Londres, lequel partage un appartement avec John Hillsley, un guitariste qui se décide pour le bien commun à jouer de la basse. Très vite, il forme Dire Straits en faisant appel à Pete Withers pour la batterie, lequel était déjà un musicien professionnel aguerri, ayant notamment collaboré avec Gary Rafferty, l'auteur de Baker Street. Le nom Dire Straits a été trouvé par le colloque de Pete Withers alors qu'il répétait dans la cuisine exiguë d'un appartement d'un ami. Dire Straits peut se traduire en français par situation désespérée ou dans la dèche. Et on peut imaginer la confiance qu'il faut avoir en 1977 pour se dire qu'on va passer de sa cuisine au Madison Square Garden. En 1977, le groupe enregistre une démo de 5 titres qui contient déjà Sultans of Swing, leur hit le plus marquant à bien des égards. Après avoir vu leur démo rejetée par la MCA, ils devaient pas avoir les oreilles en face des trous ce jour-là, les Dire Straits s'en vont voir leur ami Charlie Gillett, un DJ qui anime une émission sur la BBC Londres, pour lui demander conseil. Celui-ci ne leur donne pas de conseil, mais tombe littéralement amoureux de Sultans of Swing et décide de la passer à l'antenne. Sympa le type. 2 mois plus tard, Dire Straits signe un contrat chez Vertigo, puis enregistre son premier album en février 1978. Le succès est quasi immédiat aux États-Unis grâce à Warner Bros, chez qui il signe très rapidement, et aussi au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et seulement après en Angleterre. Grâce à cet album, ils réussirent la performance de terminer dans le top 10 de tous les pays européens. Vous l'aurez reconnu, c'était l'intro de Sultans of Swing. Mark Knopfler joue sur sa première Fender, une Stratocaster 1961 rouge. Elle n'était pas rouge d'origine, mais il l'a fait repeindre pour qu'elle ressemble à celle de Hank Marvin. Mais entre nous, ça change pas le son. Le morceau est joué a priori en position intermédiaire, c'est-à-dire sur le micro du milieu, et côté ampli, on est sur un Fender Twin Reverb normal. Vient ensuite le fameux solo de la chanson, qui selon Mark Knopfler lui fut inspiré directement par sa guitare. Mark Knopfler joue tout au doigt, la rythmique et le solo. Il faut aussi savoir qu'il est gaucher, mais qu'il joue sur une guitare de droitier, à l'opposé de Jimi Hendrix donc. Cela lui permet d'avoir beaucoup de force dans la main gauche, notamment pour ses vibratos très puissants. Cela lui confère un son très typé, et ceux qui cherchent à reproduire ses plans en double bend en savent quelque chose. Thank you.
L'année suivante, en 1978, c'est carton plein. Lors de leur tournée américaine, ils jouent une cinquantaine de concerts à guichets fermés en 38 jours seulement. Ouais, ça fait bien plus d'un concert par jour. Malgré ce rythme effréné, les Sultans du Swing trouvent le temps d'enregistrer leur deuxième album, Communiqué, en décembre 1978. L'album contient notamment le tube Lady Writer. Plusieurs théories estiment que la Lady Writer en question est Marina Warner, que Mark Knopfler aurait vu à la télé présenter un livre savant à propos du culte de la Vierge Marie. Cela lui aurait rappelé un mauvais souvenir d'un amour passé. Les paroles sont aigres douces et le jeu de guitare est assez nerveux. On retrouve d'ailleurs pas mal de techniques présentes dans Sultans of Swing, notamment sur le solo. Malgré le succès qui monte, David Knopfler, le frère de Mark, décide de quitter le groupe pour se lancer dans une carrière solo. Après de nombreuses auditions pour trouver le bon candidat, David est remplacé par Hal Lindes et le groupe en profite pour rajouter un clavier en la personne d'Alan Clark. Cette nouvelle formation enregistre très vite un nouveau LP, Making Movies, qui contient notamment Romeo et Juliette et Tunnel of Love. Sur cet album, les chansons sont plus longues et les arrangements plus complexes, notamment grâce aux possibilités sonores offertes par le clavier. Le morceau se joue normalement en open tuning, c'est-à-dire qu'on désaccorde sa guitare en open de sol et on ajoute un capodastre en troisième case. Ça permet d'élargir le spectre sonore de ce qu'on peut jouer et donc de créer de nouvelles mélodies. La main droite de Mark Knopfler ici applique plusieurs types de techniques qu'on retrouve chez de nombreux bluesmen américains. Il montre parfois un style proche du Delta Blues ou du Texas Blues, comme John Lee Hooker ou Stevie Ray Vaughan, et il alterne aussi avec un style un peu plus élaboré, comme ici avec Romeo et Juliette à base de finger picking, typique du blues de la côte Est. Commence alors une longue tournée suivie de l'enregistrement du quatrième album, Love Over God. Le nom de l'album fait référence à un graffiti que Mark Knopfler pouvait voir de sa fenêtre, à l'époque où il habitait en face d'un HLM. C'est le premier album produit intégralement par Mark Knopfler lui-même. Les titres phares de l'album sont Private Investigations, Telegraph Road, qui fait pas loin de 15 minutes, et Industrial Disease, laquelle rencontra un grand écho en évoquant le déclin de l'industrie britannique des années 80. Telegraph Road en elle-même constitua un sacré challenge. Elle dure donc un peu plus de 14 minutes, ce qui est beaucoup trop long pour les radios FM de l'époque, et le groupe veut garder une image relativement populaire. La chanson relate la construction de l'Amérique et permet à Mark Knopfler d'expérimenter divers types d'instruments, et évidemment de guitares. Mais regardons un autre single sorti sur cet album, Private Investigations. L'intro est jouée sur une guitare classique sur la version studio. Ce qui retient notre attention ici, c'est la qualité du jeu à la main gauche qui suit parfaitement les harmonies. La progression harmonique est assez standard en elle-même, mi mineur, si mineur, la, sol, fa, si septième. Et ce qui est intéressant ici, c'est le rajout de l'accord de sol diminué qui crée une espèce d'attente et de flottement dans la mélodie. On attend la suite au plus vite en fait. Et la suite justement, c'est une succession de questions-réponses entre Mark Knopfler à la guitare électrique et Mark Maneri au marimba, qui est une sorte de xylophone, ce qui produit un mélange sonore remarquable et assez osé chez un groupe dont la carrière est en train d'exploser. Le groupe est au top, le succès est là et l'inspiration est totale. Mark Knopfler compose alors pour d'autres artistes comme Private Dancer pour Tina Turner et le groupe sort un EP de 4 chansons alors que Love Over Gold cartonne toujours dans les magasins de disques. Cet EP sort sous le nom d'Extended Dance Play et contient notamment Twisting by the Pool. En 1984, Knopfler écrit la musique du film Local Hero,
dont le titre phare, Going Home, est une instrumentale jouée encore aujourd'hui par le club de foot dont il est fan, Newcastle United, avant chaque match joué à domicile. Morceau instrumental en tonalité de Ré majeur, ce titre nous permet d'aborder une autre facette du jeu de Mark Knopfler, c'est toute la force de la nuance. Les nuances de jeu sont extrêmement importantes évidemment, et faut vraiment bien les entendre et les assimiler pour étudier le style de Mark Knopfler. Ces nuances sont dues à la variété des attaques, avec le pouce ou avec les autres doigts, et le déplacement permanent de la main droite. Il tape pas toujours juste au-dessus des micros comme quand on fait souvent avec un médiateur, il se balade au-dessus des micros ou au-dessus du manche, et un peu partout, ce qui génère des nuances différentes. Parfois douces, parfois agressives quand elles sont attaquées par le bout des doigts ou des ongles, les nuances permettent de donner à chaque note la hauteur voulue et le sens voulu dans la mélodie. C'est toute une harmonie qui se dessine en filigrane derrière le timbre de chaque corde. En 1985, Hal Lindes quitte le groupe à son tour et est remplacé par Jack Sonny. Ils enregistrent le nouvel album et le plus gros carton du groupe à ce jour, Brother in Arms. Il contient la célèbre collaboration rock avec Sting sur le titre Money for Nothing, qui fut le premier morceau à passer sur la version anglaise de la chaîne MTV. Ici, on trempe la Stratocaster pour une bonne Les Paul et on monte le gain de son ampli Laney. Le son est strident, gras, agressif, comme celui de Billy Gibbons, le guitariste de ZZ Top. Le riff est facilement identifiable et il s'agit de bien faire attention à faire sonner toutes les cordes. C'est assez peu orthodoxe de jouer un riff comme ça avec les doigts. Ici, on remarque l'alchimie harmonique assez complexe entre les différents instruments, comment la basse et la batterie marquent les contretemps du riff, alors que les voix de Knopfler et de Sting s'entremêlent entre paroles chantées, presque parlées, et chœur en arrière-plan. C'est très subtil, mais ça marche. Sur cet album rempli de tubes, on trouve aussi le joyeux titre Walk of Life ou encore Your Latest Trick, dont on parlera d'ailleurs dans une autre vidéo. D'un point de vue technique de studio, le groupe produit un travail poussé sur le son et enregistre l'album tout en digital, ce qui est une première pour l'époque. D'après le livre Guinness des records, le CD de l'album est le premier disque à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. La tournée qui suivit fut énorme. Un an à sillonner la planète, avec un passage remarqué au fameux Live Aid, qui eut lieu au Wembley Stadium le 13 juillet 1985. La tournée s'acheva à Sydney, en Australie, où le groupe joua 21 fois d'affilée, ce qui constitue encore à ce jour un record. Après cette tournée, Mark Knopfler se concentre sur des projets solo et des musiques de films, alors que Dire Straits voit son batteur de l'époque, Terry Williams, quitter le groupe. C'est donc en 1988 que Mark Knopfler annonce la dissolution de Dire Straits. Pour en annoncer la résurrection, en début d'année 1991, avec un groupe remanié et élargi. Paul Franklin à la steel guitar, Danny Cummings aux percussions, Chris White au saxophone, Phil Palmer à la guitare rythmique et Jeff Porcaro à la batterie, celui-ci n'étant autre que le batteur de Toto. Le groupe sort son dernier album studio en septembre 1991, qui s'intitule On Every Street. Celui-ci, malgré d'excellents morceaux, ne perce pas dans les charts anglais. Parle d'un fan d'Elvis Presley qui pense qu'il est toujours en vie. Les paroles sont des références directes aux morceaux du King, Heartbreak Hotel, Love Me Tender, etc. Knopfler a raconté que l'idée du morceau lui est venue alors qu'il était au téléphone avec son beau-frère et qu'il le faisait poireauter toutes les 10 secondes en laissant le combiné sur la table. Un sacré déconneur ce Mark Knopfler. Énervé de ne pas pouvoir parler à son beau-frère rockstar et avoir une conversation normale, il lui aurait fait remarquer que c'est plus difficile de lui parler que de parler à Elvis Presley. Il paraît que ça s'appelle de l'humour anglais. Le groupe repart sur la route pour environ 300 dates, et sans essuyer d'échec à proprement parler, rencontre un public moindre que pour la tournée Brother in Arms.
De plus, les relations au sein du groupe ne sont pas au beau fixe et altèrent les liens entre les membres, mais aussi les liens personnels en dehors du groupe. C'en est trop pour Knopfler, qui en plus d'être empêtré dans son deuxième divorce, ne supporte plus la machine à concert que Dire Straits est devenue. Il rend les clés, repose sa guitare et le groupe se sépare à nouveau en 1995, cette fois définitivement. Dire Straits laisse derrière eux seulement 6 albums studio et ont pourtant changé la donne sur la scène musicale des années 80 en proposant un rock tranquille dans un contexte post-punk énervé. Une voix sobre, des compos mêlant blues, rock, country et pop, tous les éléments ont été réunis pour transformer un groupe dans la dèche qui jouait dans sa cuisine en une machine à remplir les salles à travers le monde. Mark Knopfler marquera plusieurs générations de guitaristes après lui par sa discrétion, son talent, son bandana rouge et son jeu simple mais pas simpliste, presque exclusivement au doigt. Il continue sa carrière solo encore à ce jour, enchaînant albums et tournées tranquilles, loin de la gloire de Dire Straits et des paillettes des 80s. Il a été classé 44e dans le classement des 100 plus grands guitaristes de tous les temps, un classement du magazine Rolling Stone. Mais pour beaucoup, le sultan du swing reste leur inspiration numéro 1.